Bonjour à tous, c'est Mathios et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 2 de ma série Minecraft où on construit la ville. Dans le dernier épisode on s'était essayé exactement ici. On avait commencé à aménager le bas de ma maison, villa, voilà. On fait la cuisine, la salle à manger, le salon et c'est tout. Et qu'en fait j'ai oublié de mettre des objets sur la table de la table à manger. J'ai oublié de mettre plusieurs trucs. C'est où? Ils ont le voilà. Ensuite, voilà. Ici, je vais faire un tableau de. Une planche à découper là. Ouais. Planche. Voilà. Sinon, je pense que c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourra rajouter? Ah, je sais ce qu'on pourra rajouter ici. Je trouve. Mais non, mais. Oh putain, c'est chiant. Voilà. Ensuite, c'est ouf. Voilà. Comment je pourrais faire? Voilà, donc c'est bon. On est ensuite dans le hall. On va faire. Comme ça. Magnifique. Je peux aussi lui mettre des genres de lumière au plafond comme ça. Et ce qu'on pourra faire, c'est ça. Voilà. C'est magnifique comme ça, non? Et aussi ce qu'on pourra faire. Par contre, comment le faire, je ne sais pas. Oups. J'ai un casque. Ah non, je voulais faire un peu mais. Bien, je pense que c'est un petit truc comme ça, c'est simple. Lol, c'est lol. Ah, si, pour faire un truc, je sais ce qu'on pourrait mettre.
remettre. C'est où? C'est. Voilà, des crochets. Crochets. Pour mettre nos manteaux. Ensuite, ici, on pourra faire un petit bureau avec un petit setup plutôt pas mal, non? Bon. Si j'ai fait une petite fenêtre, bon, pas forcément sur la meilleure vue du monde, mais bon. Ce qu'on pourra faire, c'est faire ici. Comme ça. Bureau. Hop là. Voilà. Enfin, ici là dans le coin, je vais garder un peu pour se mettre. Voilà. Les blocs. Et je pourrais prendre. Ah ça. Bon, en attendant, qu'est-ce que je pourrais. De quoi je pourrais parler? De quoi je pourrais parler? Oh mais non mais regardez le nombre de tableaux que je dois mettre pour juste un petit tableau. Ah génial, c'est pas dans mon sens. Le petit ici c'est mieux. Le petit je sais plus, voilà, le petit PC portable quoi, qui sert à faire des montages vite fait. Comme moi c'est utiliser un PC portable. Dans le fond, allez, ici encore une petite étagère avec un petit. Allez, canapé! Non? Je peux pas faire de canapé marron. Ouais, non, gris, malheureusement, vu que la neige n'existe pas en gris. Ah, oh, ils sont où ces foutus escaliers de quartz? Voilà. Voilà. Un petit canapé, non? Avec au-dessus. Cher, non? Oh. Voilà, petit canapé, petite étagère. Ah, c'est pas mal, je pourrais même aller ici. Ah, bah il est là le pot. Sapin, son je ne sais pas quoi et non bleu comme ça magnifique non bon petit setup hein. Ah oui aussi pour faire le micro ou la caméra un micro tiens. Même si moi j'en ai pas de micro. Oui, je n'ai pas de micro. Et ça m'empêche pas
de parler. Peut-être que plus tard j'aurai un micro, donc j'aurai une meilleure voix. On entendra peut-être mieux ma voix, parce que j'ai remarqué que sur certaines vidéos on n'entendait pas vraiment bien ma voix. Parce que les deux vidéos qui sont sorties aujourd'hui, je les ai montées le même jour. Mais pas tourné le même jour par contre. Je trouve plus la tête de Weaver Skelet. Ah, c'est là. Voilà. Moi, ce que je fais, ceci. Le micro. Voilà. Non, dans l'autre sens, par contre. Je peux voir la tête comme ça, c'est là. Bon, de dos, tu vas voir, mais. Ah. Rapprocher le truc. Comme ça au pire. Voilà, comme ça après je peux jouer. Ouais, non. Ah. Ok, j'ai une meilleure idée. Une petite caméra. Voilà. Le micro, c'est pas grave. Je peux le mettre, j'arrive pas à le mettre. Voilà. Bon, dans le reste du bureau, je sais pas trop quoi mettre. Je mettrai autre chose, mais bon, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je pourrais mettre. Bon. L'étage avec. Génial. Je crois que je vais enlever le panneau dans le bureau. Ah non, je l'ai pas enlevé, Bon, ensuite, à l'étage. Voilà. Génial. Ça va être très simple. J'ai oublié de faire un mur, donc. Allez, mur. Genre, on fait les toilettes, donc c'est des petites portes. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Toilettes, petites portes. Parce que les toilettes. On peut se l'avouer, c'est la plus petite de la maison, c'est forcément ça. Voilà, comme ça. Ok. Allez, notre un peu classique. Je sais pas quoi mettre. Mais la classique. Celle qu'il y avait de base. Mais je trouve qu'elle a un peu changé quand même par rapport à avant. Sinon. Un petit lavabo. Alors, on peut faire un miroir, mais le problème c'est que je ne sais pas faire de miroir. Ça c'est génial. Bon, j'ai envie d'en faire un. Avec. Donc maintenant, c'est. Avec. Il est où? Non, non, mais il est où? Je le trouve plus. Je le mettais à tisser. Bah, avant, il était à côté des coffres. Il veut, c'est où? Il est plus haut? Non. Il veut, c'est où? Ah, il est là. En fait, non, je me suis trompée, j'ai totalement dit. D'accord. Bah, moi, je vais prendre un blanc alors. Parce que j'ai ma petite idée. Les colorants, ils sont. Oui, non, les bannières, elles sont où? Où êtes-vous, les bannières? Vous êtes ici. Les colorants. Mais quoi? Oh, c'est chiant! Le bug, c'est une pression, je crois. Parfois, je peux pas monter. Voilà, je prends ça. Ça, parce que de mémoire, le procédé, ça ne marche plus. Maintenant, il y a le colorant bleu. Je crois que c'est tout.
Ah, c'est ça, voilà. C'est ça qui... Ensuite, ceci. Ah merde, je suis trompée. Je fais une bannière là. Ah, il n'y a pas l'inverse? Vas-y. Je me rends compte que c'est pas le bon bleu. Bleu ciel. Alors, c'est ça. Voilà, c'est celui-ci. Je le reprends. Je vais prendre. Et lui, je mets ici et normalement. Voilà. Je suis plus vraiment sûr, mais si c'est ça. Et là, ça vous... et là, ça vous fait un magnifique miroir. Pas bien? Un beau petit miroir qui reflète. Bon. Ah, en plus, ça reflète vraiment. Ah, ouais. Comment je suis tiré ça? Ça s'est fait, hein, c'était rapide. Ça manque un peu de déco, vous voyez ici. C'est vide. Déjà mieux. Bon, ensuite la dernière pièce, la salle de bain. Parce qu'on est rendu à 17 minutes. Donc, c'est la dernière pièce. Hein. Ouais, bon, je sais, c'est pas vraiment bien d'avoir mis une grande fenêtre, mais bon, on peut toujours faire ça. Voilà. Ou même faire ça et mettre la douche ici. Bon, ça mène où ça? Ouais, on pourra reboucher en dessous si ça dégoûte. Si il y a des gouttes, ouais, bon. Hop, on va mettre tout. Ok, quoi, tu cariques, quoi. Je pense que ça va être plus facile de faire une baignoire. Pour faire une baignoire. Maintenant, si vous êtes en. Si vous êtes en 1.14 ou 1.15, ça marche. Dans les autres versions. Bah, dans les versions en dessous de 1.14, ça ne marche pas. Parce que c'est très simple. Les versions en dessous de la 1.14, vous ne pouvez pas faire ça. On m'a dit mettre de l'eau dans les escaliers et dalle. Ça, c'est pratique. Et ça, c'est très pratique. Mais normalement, si vous êtes sur console, les mises à jour se font automatiquement. Vous avez entendu? C'est mon père qui travaille. Ah. Faut faire un miroir ou pas? Normalement, oui. Donc, allez, on peut faire un miroir. Mais moi qui ai la flemme de refaire le miroir. Pratique. Vous appuyez sur une touche, le truc est dans votre main. En survie, bien sûr, ça ne marche pas. Ce serait trop facile. Et aussi ce que vous pouvez faire. Une bannière blanche ou d'autres couleurs en l'occurrence. Oh, tout. Non, j'ai une meilleure idée. Ma couleur préférée, c'est bleu. On va prendre ça.
comme ça. Et hop, voilà, ça fait des magnifiques portes. Comment on appelle ça? Des portes. Des portes. Servites, voilà. Ça suit. Bon. Ensuite, c'est bon. Hop. Ah oui! Aussi mettre des carpettes. Ça, c'est pratique. Mettre des carpettes sur les étagères. Des carpettes, des tapis. J'ai l'habitude de dire les objets de anglais. Très bien si on pouvait configurer dans les paramètres pour mettre le jeu en anglais. Là, je l'aurais fait. Que perso, je préfère avoir en Minecraft en anglais. Avoir en français. Pourquoi? Parce que quand j'ai découvert Minecraft, bah moi je le connaissais en anglais. En regardant les premières vidéos. Et quand j'ai eu Minecraft, c'était en anglais. Bon, je me suis aussi habituée. Voilà, un truc comme ça. Non, non, par contre. Là, voilà. Parce que vous pouvez prendre, c'est ça, ça. Et pour combler le tout, on a des pots de fleurs. J'aime bien les pots de fleurs. J'aime bien les pots de fleurs. Là, vous pouvez garder un petit espace. Vous êtes obligé de mettre des choses absolument partout sur les étages. Et bon. Donc, l'intérieur est terminé. En... Je sais pas quoi rajouter de plus. Je rajouterai quelques détails. Hein. Mais de toute façon, vous verrez ça dans l'épisode fashion parce que je ferai ça en vidéo. Il est 21 minutes. Ou on peut peut-être faire encore un truc, non? Tiens, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer des endroits que j'ai oublié de vous montrer dans la dernière vidéo. Des endroits qui ne sont pas au centre-ville, car dans les vraies villes, ils n'y sont pas non plus. Donc en direction là, j'ai fait un tunnel. J'avais la flemme de faire le dessous, donc j'ai mis un mur noir pour pouvoir faire continuer, comme dans la plupart des jeux, mais avec des histoires d'aventure et tout, il faut ça. Mais là, c'est parce que j'avais flemme, je pouvais totalement faire ça. Il y a les murs invisibles qui se font quand les chaînes sont pré-générées. Mais là j'avais la flemme, donc j'ai fait ceci. Je vais faire un tunnel qui peut pas passer comme ça direct. Voilà. Et j'ai fait ceci. Vigne. Avec un bâtiment au milieu, des cuves. Une cuve à vin, des trucs comme ça. Un précupeur. Ouais, pas mal. Une cuve à vin. Ah, bon, j'ai oublié de mettre des vitres à la maison, mais bon. Ici j'ai fait un petit homme 3 avec des ruches d'abeilles. Je crois qu'elles ont toutes des pop. Génial. J'avais fait spawn des abeilles, mais... Ah non. Bonjour. Au revoir. Et une autre zone que j'ai oublié de vous montrer. Qui... On va passer directement par là parce que c'est... Bon. Un peu long. Regarde sur la carte que je n'avance plus car les chaînes ne sont pas géniales. Bon. Normalement, c'est par là-bas. Un peu long. Normalement, c'est pas loin vers là-bas. Ah voilà, je reconnais ce like. Et il n'y a pas loin. Normalement, voilà, voilà. Une zone commerciale. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul bâtiment. Qui va pas te servir à grand chose. Je pense pas que, en gros, c'est un bâtiment de vente de piscine. Mais à mon avis, je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens. À mon avis, je pense pas que ça va être très utile. C'est surtout un magasin. Bon, là-bas, il y a une boulangerie, une pharmacie. Voilà. Donc, un cabinet médical. Voilà le bâtiment. On peut voir sur la carte. Une carte de la zone commerciale, même si il y a qu'un seul bâtiment. Là, ça sert à rien. Et pour plus tard, voilà. Des garages pour les véhicules et tout. Voilà. Voilà. Bon. Et vite fait. Mais je pense que je vais faire un petit centre commercial ici. Bon, je crois.
Dans la prochaine vidéo, c'est pas sûr. Construction d'un. Ce sera la première construction de bâtiment. C'est pas mal. C'est une maison. Comme ça. Sinon. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous redire d'autre. Hein? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, tiens. Il y a un truc sur Fortnite. Sur les lives, surtout. Je suis pratiquement certain, même sûr, que le premier live ne sera pas avant février. Pourquoi? Car je sais que chaque fin de saison de Fortnite, il y a des événements. Et justement, l'événement de cette fin de saison, je la ferai en live. Sauf que, problème, ce ne sera pas avant février. Donc, sur ma chaîne, il y a de très grandes chances que vous n'aurez pas de live avant fin février. Ah oui, aussi, vous voyez ce mini marché de Noël avec ce sapin? Vous pouvez être pratiquement sûr que dans l'épisode prochain, il n'y aura plus ça. Le sapin sera peut-être encore là, mais en tout cas, je gère tout ça. Si possible, vu que c'est plus Noël maintenant. On est en janvier, voilà. Hein? Bon. Génial. Bon. C'était Mathius. Abonnez-vous, likez et partagez mes vidéos. Bye!